J'ai ma Jeep, je vous emmène. Allons-y, vos affaires suivront. Parlez, mon capitaine. Vous avez quartier libre aujourd'hui, sergent. Ce soir, vous êtes convié au barbecue des officiers chez le commandant. Madame aussi. Venez en uniforme. Gloria, j'arrive pas à trouver mes souliers. Maman est juste à côté, chez les voisins. Pourquoi les toilettes sont dans le jardin, papa? Ce sont de vieilles maisons. Elles datent de la guerre. Quelle guerre? La Deuxième Guerre mondiale. Je ferai comment si j'ai envie d'y aller la nuit? Tu iras. Mais il y a des hommes méchants dehors. Non, mon grand, les seuls hommes méchants sur l'île sont derrière les barreaux, c'est clair? Oui, pas. James, tu descends? Oui, pourquoi? Excusez le désordre, vous savez ce que c'est. Mon mari, James. Enchanté. Très honoré. Fanny propose gentiment de jouer les babysitters. En effet, c'est gentil. Et son mari est chef cuisinier. Oui, alors faut pas hésiter. Lait, farine, sucre, vous savez où sonner. Vous allez dire où vous l'avez trouvé. Tu sais pas où sont mes souliers. Je les ai serrés, mes souliers. Et vous, James, quel est votre poste sur l'île? Non, c'est toujours rien. Ils vont sûrement nous dire dans la soirée. Vous devez quand même être un peu spécial. S'il y a une chose certaine, c'est que les sous-offres ne vont jamais chez le colonel. Ou alors c'est qu'ils se font remonter les bretelles. C'est vrai? Oh, on se mélange pas. Les officiers sont bien trop snobs ici. Bon, c'est que j'ai mon dîner sur le feu. Faites-moi signe quand vous y allez, Gloria. Entendu. Merci, Sunny. C'est malin, je commence à avoir le trac. Place-toi auprès des officiers, tu seras bientôt un de leurs. Il faut d'abord que je sois promu adjudant. Ce serait le cas à Worcester, James. Ce serait le cas à Kronstadt. Ici, tu es à Robben Island, la première prison d'Afrique du Sud. Manœuvre comme il faut. Et qui sait, dans 5 ans, tu seras peut-être à l'administration à Pretoria. Rêve pas. Tant que t'es là, je vais te donner un coup de ciseau avant de partir. Oh, tu t'arrêtes jamais, c'est infernal. Non, mais qu'est-ce jamais. Que tu racontes? Vous n'êtes plus obligé d'attendre d'aller à terre, je suis moi-même coiffeuse diplômée. C'est vrai? Et je m'y connais. Ce qu'il vous faut, c'est un balayage. Un peu de fantaisie et votre sensation. Eh bien, je crois que vous n'allez pas manquer de travail. C'est tout sauf un camp de vacances. Nos gardiens sont d'astreinte 2 semaines d'affilée. C'est la porte ouverte à l'alcoolisme, à la prostitution. Prostitution? On envoie monnayer les charmes de leurs propres femmes à des collègues célibataires, juste pour améliorer leur salaire de misère. Le capitaine ne vous fait pas un portrait trop pessimiste, j'espère. Soyez le bienvenu sur l'île, Grégory. C'est un honneur, mon colonel. Je vois que nos épouses sympathisent déjà. Merci de nous avoir invités. Quelqu'un aimerait beaucoup vous parler. Excusez-nous, capitaine. Voici le major Piet Jordan du département de la sécurité d'État. Il paraît que vous parlez les langues kafir, sergent. Je parle le Kossa. Où l'avez-vous appris? J'ai été élevé dans une ferme du Transkei. Quand vous n'avez pas de frères pour jouer, forcément vous allez vers les kafirs. Faisons quelques pas, sergent. Dites-moi, que pensez-vous de la sentence prononcée à l'issue du procès de Mandela? À mon humble avis, c'est la corde qu'il méritait. Oh, et nous prenions le risque d'en faire un martyr. Enfermé en prison, il nous sera peut-être plus utile. Il coûte trop cher aux contribuables. Voilà ce que j'en dis de tous ces gens-là. Tous les Noirs? En tout cas, ceux qui pointent leurs armes contre nous, les communistes.
Mandela a toujours nié être communiste. Ce sont des menteurs, on le sait. Ce que vous voyez là autour de vous était une léproserie au 19e siècle. Alors, c'est que rien n'a changé. Que diriez-vous d'un poste section B, chef du bureau de censure ? Excusez mon ignorance, mais section B, je ne sais pas ce que c'est. Là où sont bouclés Mandela et tous ses complices. J'ai besoin de quelqu'un sur place, quelqu'un qui parle leur langue. Je veux savoir ce qu'ils pensent. Comment ils pensent. Quoi que vous trouviez de suspect dans leur courrier, leur visite, vous me le signalez immédiatement. En gros, ce que je vous demande, c'est d'être ma fenêtre sur leur âme, si tant est qu'ils en aient une. Et dire que je me voyais déjà, au moins la première année, me taper toutes les gardes de nuit. Vous pouvez, si vous préférez. Non. Bien sûr que non. Être nommé chef du bureau de censure est un privilège. Je ne vous décevrai pas. Plus que moi, c'est votre pays que vous décevriez. Jamais je ne ferai ça, soyez-en sûr. J'en suis sûr, sergent. Bien. Je ne sais pas vous, mais moi je meurs de faim. Allez, retournons vers le buffet. Ils se sont endormis ? Enfin, oui. Ils sont pas habitués à tant d'agitation. Joyce, l'épouse du colonel, vient demain pour se faire coiffer. Elle cuisine, alors me paiera avec un gâteau. Et Etty, tu sais cette femme de capitaine très charmante ? Son mari adore pêcher la langouste, c'est avec ça qu'elle paiera. Et tu te rappelles la femme aux cheveux gris ? Gloria. Quoi ? Ils me mettent avec Mandela, Zizoulou et les autres. Non. Ils veulent me confier la direction du bureau de censure. Oh mon Dieu, James, mais qu'est-ce que t'attendais pour le dire ? Chut. Je ne voulais pas avoir l'air de parader devant une brochette d'officiers. Oh, c'est super, mon amour. Mandela. Et le plus beau, c'est que je dépends directement de Pretoria. C'est fantastique. Ils t'ont dit s'il y avait une promotion à la clé ? En temps voulu, ils ont dit. Oh. Le pied de grue pendant des heures, c'est terminé. On vient de me donner le plus dangereux des terroristes d'Afrique du Sud à surveiller. Combien de ponts il a saboté ? Combien de postes de police, lui et ses Umkhonto Wiswizé, ont fait sauter avec leurs bombes ? Je te l'ai dit que cette île sera notre place au soleil. Hein, que je te l'ai dit. Tu l'as dit, mon cœur. Mettez-y un peu de nerf, tiro cul de kaffir. Debout, bande de larves. 3 jours de demi-ration pour insubordination. Bravo, fixe. Je suis votre nouveau chef censeur. Pour expédier votre courrier, vous passez par moi. Une lettre tous les 6 mois. Pas plus de 500 mots. Pas d'allusion à d'autres prisonniers. Pas de commentaires sur les conditions de détention. Et surtout, pas de conneries politiques. Si vous vous risquez à transgresser une seule de ces règles, votre lettre ne sera pas expédiée. Quand vous recevrez une lettre, elle passe par moi. Même punition, pas plus d'une par semestre. Un mot d'ordre politique et la lettre est censurée. Ai-je été clair ? Foutez-vous de moi et j'hésiterai pas à vous rendre la vie plus pénible qu'elle ne l'a jamais été jusqu'ici. Et ce, sans aucune hésitation. Lequel est Mandela ? Il est en isolement.
5 jours pour avoir parlé en plein couloir. Fin de la leçon ! Au travail ! Je vais vous voir péter de la caillasse ! La dernière à droite. C'est joliment humide là-dedans. Hé, hey, toi ! Tu m'écoutes quand je te parle, regarde-moi ! Jetez à l'œil, Mandela. Madame Mandela, sergent Grégory, je supervise votre visite. Ravi de vous rencontrer. Suivez-moi. Voisseau, conduisez le prisonnier 466-64 jusqu'au box 3. S'il vous plaît. Vous parlez notre langue ? Et seulement de votre famille. Prisonnier assis. Vous avez 30 minutes. C'est parti. À dormir. Elles ont tout le temps peur que la sécurité vienne cogner à notre porte. C'est d'ordre politique, Madame Mandela. Je regrette. Je parle de notre famille. On est constamment pris à partie de tous côtés. Ça n'arrête pas. Les filles n'en peuvent plus. Georges Bizos serait d'avis de les envoyer en pension au Swaziland. Elles rentreraient à la maison pour les vacances. Et toi, tu penses pouvoir rester seule ? En t'épousant. Je savais que j'épousais la cause ce jour-là. Et Evelyne, vous avez des nouvelles ? Elle travaille comme dactylo dans les mines. Oh, et Tembi est venue me voir. Comment va mon fils ? C'est un homme maintenant. Il a eu son permis de conduire et il a une voiture déjà. Dis-lui que j'aurai droit à une autre visite dans 6 mois. Il doit remplir une demande officielle. Je lui dirai. Cette langue est interdite. Terminé. Voslo, la visite est terminée. S'il vous plaît, par ici. Non, je vous en prie. Nous étions en train de parler de nos enfants. Vous me croyez bête à ce point ? Voslo, reconduisez le prisonnier à sa cellule. Suivez-moi. On se lève, Mandela. Plus vite.
Gregory. Ce fut bref. Ils ont parlé Cossin. Et pour se dire quoi? Mandela l'a chargé de dire à Oliver Tambo de renforcer la lutte armée. Il veut que le pays soit ingouvernable. Ils ont dit autre chose? Ils ont parlé des enfants, des filles qui vont en pension, ce genre de nouvelles. Une fois à Johannesburg, Winnie va être incarcérée pour une durée indéterminée. Ce sera bien évidemment à la une des journaux. Je vous enverrai l'article. Vous veillerez à ce que Mandela en ait connaissance. Sans problème. Ah, juste un petit détail. Elle a parlé de son fils Tembi, l'enfant de son premier mariage. Il a eu son permis. Il aurait même sa propre voiture. On peut parier qu'elle ne lui a pas coûté cher. Sûrement. Ça ne loupe jamais. C'est mieux quand je ne loupe pas. Bonjour, chérie. Mesdames. Ça a été? Oui. Où sont les enfants? Mais la bouilloire a chauffé. Tu pourras faire du thé, s'il te plaît? Je peux avoir votre avis, James? Mon avis? Sa coiffure. Oh, chouette. Chouette. Magnifique, tu veux dire, oui? Tant que Yann te voit, ça va pas chômer cette nuit, ma fille. Alors comme ça, Maman Africa est passée nous rendre visite aujourd'hui, James? Vous êtes au courant de tout? Il ne se passe rien sans que forcément je le sache à un moment ou à un autre. Et généralement, avant que ça se produise. Et de quoi elle a l'air? Tu sais, je l'ai vu que 5 minutes. Ils ont parlé en Cossa. Du coup, je l'ai expédié. James parle couramment le Cossa. C'est vrai? Il a grandi parmi eux, dans une ferme. Et son copain s'appelait... Il s'appelait comment? Laisse tomber, aucun intérêt. Si, on veut savoir. S'il vous plaît, dites-le nous, James. Bafana. James a une photo, on les voit ensemble. Attendez. Gloria, non. Gloria. Oh si, alors je veux voir ça. Dis-moi donc, hein. J'ignorais que vous étiez un paysan, James. Eh bien non, j'en suis pas. Tenez. Regardez. Ah, trésor. On était un ami des kaffirs. Je suis pas un ami des kaffirs. Joyce. Il a même son bras autour du cou du négrillon. Oh. Il adore son gaffier, je rêve pas. Je vais pêcher. Bren, ta canne. Regarde sa taille, l'étoile de mer. Elle est jolie, c'est bien. Va, j'en ai un. D'accord, ramène-le par là sur les rochers. C'est ça, en douceur, vas-y. Bren, passe pas ta canne, viens. Natacha, viens ma chérie. Baissez-vous. Restez là. Chut, laisse ton poisson, on s'en fiche. Baisse-toi, Bren. Ça y est. Voilà, on peut y aller. Venez. Allez. Et mon poisson, on en fait quoi? Tu m'excuses, mon grand, mais si les prisonniers voient des enfants, j'aurai des embêtements. Pourquoi? Parce que ça leur est interdit. Pourquoi? S'ils sont là, c'est pour être punis. D'accord? Ça vient de la femme de Motsadi. On a décidé de boycotter les bus depuis que le tarif des tickets a été augmenté de 80 cents. Censuré. La femme de Mandela a arrêté. Thank you.
Les suivants viennent chercher leur courrier. Sizulu. Marhaba. Katrada. Et on se dépêche, j'ai autre chose à faire. Motsadi. Jonas Motsadi, où est Motsadi? Pour les autres, rompez les rangs. Monsieur Grégory, j'ai trouvé ceci dans ma cellule. Selon le règlement en vigueur, il est formellement interdit aux prisonniers d'être en possession de journaux ou de coupures de presse. J'estime donc que le plus sage est de vous le confier à vous, l'autorité compétente. Je suis pour le moins étonné que votre curiosité ne vous pousse pas à le lire, monsieur Grégory. Grégory. Pour connaître. Grégory, ah, faut bien admettre que pour un facteur, vous maîtrisez bien le ballon. Robben Island. Je crois qu'il serait temps que je touche un mot à Pete au sujet de James. Il a l'étoffe d'un officier, ça se voit les yeux fermés. Oh, Joyce. Oh, écoute, si ça devait arriver, je te crois gratis pour le reste de ta vie. Alors tu peux être sûr que je vais lui parler à Pete. Tu vas au Cap ce week-end? Oui, maman me réclame les enfants encore et à cru. Depuis d'illustres. Si tu pouvais nous faire quelques courses pendant que tu y es, une bonne vraie mayonnaise par exemple. L'ordinaire de la prison, j'en ai soupé. Bouge pas. Comme tout. Oh, bonjour maman. Ça a été le ferry. Oh, cette fois la mer était calme. Ah, tant mieux. Quelques belles langoustes fraîches par là. Pour sûr qu'elles sont fraîches, elles frétillent encore. C'est bien que t'aies pas une mal de mer cette fois. On peut aller faire les magasins tout de suite. Nelson Mandela. Oh, c'est affreux. Oui, c'est une immense responsabilité. James contrôle le courrier et supervise toutes leurs visites. C'est une information confidentielle, Gloria. Oh, veux-tu arrêter? Alors, maman garde ce genre de choses pour elle. Gloria, accompagne-moi, tu vas m'aider à choisir une salade. On vous attend dehors, allez-y. Venez. Bonjour, restez là. Vous laissez passer. Montrez-moi, vous laissez passer. Vous laissez passer, s'il vous plaît. Ils font quoi, là, les policiers? Contrôle des papiers. Où il est? Vous laissez passer. Non. Vous êtes obligé de l'avoir. Allez, passez. Allez,
c'est pas par terre. Tais-toi. Je m'en occupe. C'est le bébé de ma fille. Ah, c'est fini. Ah, va la voir, toi, peut-être. Une minute et c'est prêt. Tiens. Ça va mieux ? On va pas tarder à manger. Le policier. Parce que c'était son travail. De forcer une maman à abandonner son bébé? Non. Mais si la maman n'a pas de laisser passer, elle n'a pas le droit de se trouver ici. Donc ils doivent l'arrêter. On l'a notre laisser passer, nous? Non, on n'en a pas besoin. Pourquoi ça? Parce qu'on est blanc. Mais c'est injuste de faire ça. C'est l'apartheid. C'est notre façon de vivre, Trésor. Les noirs ensemble d'un côté, les blancs de l'autre. C'est la volonté du Seigneur, ma chérie. De la même façon qu'il ne marie pas un moineau à une hirondelle, une oie à un canard ou une vache à un baudet. Ce serait contre nature. Il n'est pas question de contrarier le Seigneur, hein? Pretoria 39001. Jordan. C'est Grégory. Mandela vient de recevoir un télégramme. Je sais. Le petit a percuté le pilier d'un pont. C'est un... Un quoi? Est-ce que c'est... un accident? Bien sûr. Vous le lui annoncerez personnellement. Oui. Rapportez-moi sa réaction. C'est quoi ce télégramme? Son fils aîné est mort dans un accident de voiture. Vous fêtez ça? Vous avez des gosses? Madiba. Madiba, c'est Mandela, c'est son nom de clan. Le clan? Dites-lui. Mandela. Désolé. Tu joues à quoi, mon gars? Remets-moi au travail! Vanikerk, attendez une minute. Quoi? L'article 16A du code pénitentiaire dit qu'un prisonnier perdant un membre de sa famille est exempt de corvée 2 jours pour raison de convenance personnelle. Convenance personnelle? Mandela est avocat. Il s'y connaît, il risque de porter plainte contre vous. Je le ramène en cellule, si vous voulez. Thank you.
interpellé un nombre important d'insurgés, membres de la SWAPO, dans le sud-ouest africain. 12 terroristes ont été tués, s'il te plaît. 5 autres ont été arrêtés. On ne déplore aucune perte du côté sud-africain. Le docteur Christian. Tu devrais manger, ça refroidit. Et si c'était un meurtre? Évite devant les enfants. James! Jamais ne ferait ça. J'ai eu la police du Transkei. J'ai parlé à l'officier de service. Et plus je lui posais de questions, plus il s'en mêlait les pinceaux. Il a fini par m'expédier. Et alors ça ne prouve rien. Tu dois servir le dessert, maman. Vas-y, mon cœur. Si Jordan a su que ce gosse avait une voiture, c'est parce que j'ai décidé de le lui dire. Tu as fait ce qu'on te demande. Ces gens sont en guerre contre nous, James. Ils se comportent comme des sauvages. Ils ne veulent pas partager avec nous. Ils nous haïssent. S'ils étaient à la tête de ce pays, ils n'auraient qu'une seule volonté. Rejeter les Blancs, la mer et c'est jusqu'au dernier. On serait tous forcés de partir sans rien. Pas même les vêtements qu'on a sur le dos. Ouais, j'en suis conscient. Viens finir de manger. Thank you.
si Zingoko, Solega, Cognano, Vaco. Bien souvent, j'ai voulu expliquer à mon fils pourquoi j'étais toujours absent de la maison. Que je me battais pour un monde meilleur, pour mon peuple et ma famille. Je ne suis pas sûr de l'avoir convaincu. Où avez-vous appris à parler le Kosa, Monsieur Grégory? Alors vous êtes conscient qu'il est important que j'enterre mon fils? Ils refuseront de vous laisser sortir. Je suis un homme d'honneur. Vous avez ma parole que je ne tenterai pas de m'évader. Signez avec vous. Mais il y a vos amis communistes qui viendront à votre secours. À quels amis communistes faites-vous allusion, Monsieur Grégory? Tous les partisans de votre Congrès national africain. De toute évidence, vous n'avez pas lu la Charte des libertés. Si. Je l'ai lu. C'est faux! Ce document est prohibé. Comment un sergent de l'administration pénitentiaire aurait accès à un tel document? Bien. J'en ai entendu parler. Vous savez donc que notre objectif est l'égalité pour tous. Un monde où les hommes comme vous et moi pourront vivre en paix, tous ensemble. Voilà ce que je vais offrir à mes enfants. Je suis certain que vous tenez à offrir la même chose aux vôtres. Maintenant, j'aimerais être seul. Sa vie. Mandela doit manger. Lorsque notre leader souhaitera manger, il mangera. Dis-lui bien que son fils a été enterré hier et que la maman était aux funérailles. Vous l'avez lu, vous, la Charte des libertés? Quoi? Leur fameuse charte, vous l'avez lu? Non? Vous savez quoi ça parle? Ça parle de... l'extermination des Blancs. Des choses de ce genre. C'est ça? Comment je saurais? Papa, on pourra aller voir le match Provence contre Natal ce week-end? Très bien. Génial! Je fais un saut à la prison de Roland Street, vite fait. Maman nous attend pour déjeuner. Allez-y, je prendrai le train suivant. Mais c'est pas Roland Street, ce qu'il... Venez. Excusez-moi, je crois savoir que vous avez une section documents interdits. Au sous-sol. Merci.
Monsieur ? Je suis de l'administration pénitentiaire. Je souhaiterais consulter la Charte des libertés. Vous patientez ? Vous avez une autorisation ? Vous dites ? C'est une zone interdite. Il vous faut une autorisation pour y accéder. Sergent Grégory, je suis gardien à la prison de Robben Island. Et alors ? Il vous faut l'accord du département de la sûreté pour consulter le moindre document prohibé. Sachez que le major Jordan du bureau de la sécurité d'État m'a chargé de consulter la Charte des libertés. Appelez. Pretoria 39001. Apportez-lui ce qu'il voudra. Asseyez-vous. Vous trouverez ça là-dedans. Merci. Peuple d'Afrique du Sud, déclarons pour notre pays tout entier et le reste du monde que l'Afrique du Sud appartient à tous ses habitants, noirs et blancs. Et qu'aucun gouvernement ne peut prétendre y exercer son autorité sans y avoir été amené par la volonté du peuple. Qu'est-ce que tu fais ici, James ? Et vous, qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne reviens pas que tu as fait ça. Comment t'as osé mentir ? Gloria, j'ai besoin de savoir comment fonctionnent ces gens-là. Je sais comment ils fonctionnent, James. Comme une bombe en retardement. Et un jour ça pète, boum ! T'imagines un peu les conséquences si Pete venait apprendre ça? Je te garantis que ta promotion, tu pourrais lui dire adieu. Mais enfin, quelle promotion? J'ai promis à Joyce de pas te le dire. Pas me dire quoi? Fais pas de secrets, Gloria. Tu sais pas les garder. Pete a déposé une demande à Pretoria afin que tu sois promu adjudant dans les jours qui viennent. Il a même confié à Joyce que si tu continuais comme ça, tu pourrais devenir lieutenant d'ici la fin de l'année. Ah, c'est fantastique. Sauf si tu gâches tout en te mettant à commettre ce genre de bêtises. Je n'ai pas l'intention de faire une quelconque bêtise. Entre le salaire que tu gagnes et ce que j'arrive à grappiller, c'est... On a même pas de quoi leur payer de nouvelles chaussures pour l'école. Quand même, Gloria. Franchement, tu noircis le tableau, je crois. James, la prison, ton travail, c'est notre seule fortune.
tout et jusqu'à la maison où on vit. Je vais pas tout chambouler, t'inquiète pas, d'accord? Regarde-moi, d'accord? C'est Plumstead la prochaine. Je veux pas que ta mère te voie dans cet état-là. Alors, c'était comment ce week-end? Bien. Vous êtes allé voir jouer Provence? Non, mais ils s'en sont bien sortis. Je pense que le courrier est passé maintenant. Avec ce vent sud-ouest, ça m'étonnerait. Le ferry se pointera avec une heure de retard, facile. Allez-y, on sait jamais. Les richesses nationales de notre pays, l'héritage des Sud-Africains, doivent être restituées au peuple. Les ressources minérales, les banques, l'industrie devront être restituées au... Le ferry est encore à quai au port du Cap. J'imagine comme ça doit souffler dehors. C'est rien de dire. Mandela, je veux vous demander une chose. Vous affirmez que l'ANC est rien de communiste. Mais la Charte des Libertés dit que les ressources minérales, les banques et l'industrie devraient être restituées au peuple. C'est du communisme et n'essayez pas de me bourrer le crâne. Ça ne l'est en rien. Ça n'est en fait qu'un vrai nationalisme où tout le peuple, noir, blanc, indien, métis, tous bénéficient de l'ensemble des ressources nationales de notre pays et de votre pays, monsieur Grégory. Et c'est un idéal pour lequel vous tueriez. Et c'est un idéal pour lequel je mourrais. Rien ne justifie qu'on en vienne au meurtre, et vous le savez. Votre peuple n'aurait jamais dû prendre les armes contre nous. Votre peuple ne voit pas notre misère, n'entend pas notre souffrance. Vous nous avez obligés à prendre les armes. C'est ça ! Mon colonel ! Vous foutez quoi à déambuler avec un prisonnier ? Je ne faisais que... dire à Mandela que son avocat passera lundi prochain, mon colonel. Rappelez vos fesses par ici ! Oui, mon colonel. Écartez les bras. Écoutez, je sais que... Écartez les bras, sacré bon Dieu. Adieu, Don Grégory, je vous félicite. À tout à l'heure aux messes. Merci, mon colonel. Car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade. Et que nous l'aimons tous. Patches! Et que sa promo lui monte pas trop au cerveau, qu'il nous fasse pas une vie d'enfer. À toi, James. Bonsoir, adjudant Grégory. Me feriez-vous le plaisir de m'accorder cette danse? Bonsoir. Tu vois qui c'est arrivé? Je te l'avais bien dit.
te l'avais dit, mon ange. Vous comptez faire quoi pour ça? Le standard? Pretoria 39001. Jordan, j'ai une carte postale sous les yeux pour Jonas Motsadi. Motsadi. Il sort dans une semaine, celui-là. On le libère? Il y a un message caché dedans. En Cossa. Et ce message dit quoi? Qu'il doit se rendre dans une cache de l'ANC. À Gaborone. Et qu'une fois là-bas, il recevra d'autres instructions. Est-ce qu'il donne l'adresse? 36 Moroka Street, Gaborone, Botswana. Remettez le message en place, dans l'état où vous l'avez trouvé. Puis veillez à ce que Jonas Motsadi ait sa carte postale. Attention à ta reine. Très tôt ce matin, les forces de sécurité sud-africaines ont mené une opération préventive contre une antenne officielle de l'ANC à Gaborone, Botswana. 4 terroristes y ont été abattus. L'un d'entre eux, Jonas Motsadi, venait d'être libéré de la prison de Robben Island après avoir purgé une peine de 50 ans. C'est chez nous ou pas, Robben Island? Tu le connais? Demain, sur toute la partie ouest du Cap, sera nuageux avec quelques nappes de brouillard. Des éclaircies sont attendues dans le ça courant. Ça doit jouer pas. Du vent d'ouest. Êtes-vous certain que ma femme est à bord du ferry? J'ai appelé. Ce sera bientôt Noël. Mes enfants comptent déjà les jours. Comment se débrouille-t-il à l'école? Mon fils, lui, a un peu de mal, mais ma fille est bonne élève. C'est important de les encourager. Ils doivent travailler à l'école et ensuite aller à l'université. C'est le meilleur moyen de réussir sa vie. L'université, c'est bien, mais ça a un prix. C'est cher, même si pour vous, elle devrait être gratuite, obligatoire et universelle, et ouverte à tous, c'est ça? C'est là une citation exacte de notre Charte des Libertés. Je suis plus qu'impressionné, Monsieur Grégory. Monsieur Grégory. Tenit netnawa. Ungana tneda. Unike unwini asasapaso kospas. Souk, Mandela. Où y a coudé un coq? Le chocolaté en jane, non? Le chocolaté, où y a eu mon appel? Ah, non, c'est dans longtemps. Le couvre, là, où est-ce un coq? Il me y a qu'à m'imbéné, d'inqué, cocaïa, poupi, et bon tobacco. Ipé. Thank you.
prends en charge Madame Mandela. J'ai ordre de l'accompagner. Je suis responsable des visites sur cette île et vous restez à bord de ce body ferry jusqu'à son départ. Arrête. Est interdite. Je vous en prie, Madame Mandela, vous n'avez qu'un temps infime, ne le gaspillez pas. Monsieur Grégory dit la vérité. De votre mari, votre cadeau de Noël m'a-t-il précisé? Bon voyage de retour, Madame Mandela. Adjudant ? Vous reconnaissez ceci ? Écriture, c'est Govan Nembeki, on dirait. Ça a été intercepté par les agents du bureau de la poste de Soweto. Depuis quand les prisonniers ont-ils le droit de citer d'autres prisonniers dans leurs lettres? Ça m'aurait frappé si je l'avais lu. C'est sûrement Vosloo. Je ne connais qu'un seul chef censeur. C'est vous et non Vosloo. Assurez-vous que cela ne se reproduise plus. Entendez. Beau travail pour Jonas Potsen. Merci, monsieur. Adjudant Grégory. Grégory, ramenez vos fesses sur le champ. Bien, mon colonel. Entrez ! Expliquez-moi ce que ça veut dire. Il est écrit là qu'ils se sont assis sous un arbre, qu'ils ont mangé du pain et du fromage, et fini leur repas sur un dessert au chocolat. Ce sont les médias, il faut toujours qu'ils en rajoutent. Êtes-vous en train de me dire qu'il y a malgré tout un fond de vérité? Mandela m'a confié un carré de chocolat pour Winnie et pas autre chose. Un carré de chocolat? En guise de cadeau pour Noël? Êtes-vous complètement malade? On essaie de démoraliser ce terroriste, l'isoler au maximum de sa famille. Et vous, là-dessus, vous venez jouer les Pères Noël? Qui vous dit qu'il n'y avait pas un message dans ce chocolat? J'ai contrôlé avant de le lui donner. Et s'il avait été tout bonnement empoisonné? Nelson ne ferait jamais ce genre de choses. Depuis quand vous l'appelez Nelson? Vous voulez pas lui torcher le cul non plus tant vous y êtes? J'ai commis une erreur, je vous prie de m'excuser. Laissez-moi vous dire comment vous allez rattraper votre connerie. Vos week-ends de repos pour les 4 mois à venir, vous les passerez ici, en service de nuit, section B. Cela vous semble suffisant? Ou dois-je vous retirer vos galons pour vous satisfaire pleinement? Amplement suffisant, mon colonel. Retournez au travail! Qu'est-ce que j'ai? Mon colonel, le ministre des prisons. James Grégory, salopard! Avez-vous idée du merdier que vous avez provoqué? Vous dites? Quitte à muter quelqu'un, c'est vous qu'il devait choisir, pas nous. Qu'est-ce qu'il y a? Pretoria a téléphoné. Ils ont dit à Pete de faire ses bagages en nous transfert à Barbeton. Il fait toujours une chaleur étouffante à Barbeton. En quoi suis-je concerné? Ils ont dit que Pete croyait diriger un camp de vacances et non une prison, uniquement à cause de vous, James Grégory. Inutile de crier ça, James. Viens à la maison, on va en parler. Oh, vous pouvez toujours courir pour que je fiche les pieds dans cette maison. Après tout ce qu'on a fait pour vous. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai fait que remettre du chocolat à Winnie de James. La part de Nelson.
Qu'est-ce qu'ils ont à en faire tout un plat? En tout cas, je crois que cette fois, c'est plus la peine d'espérer des venus lieutenant. Il y a peut-être bien plus important que d'être lieutenant si on prend la peine d'y réfléchir. T'as rien de mieux à faire, Sani? Je m'appelle Stander. Et ce nom, jusqu'au dernier moment de votre vie, restera gravé dans vos crânes. La plupart des fumiers que vous êtes ont choisi l'administration pénitentiaire parce qu'ils étaient trop lâches pour s'engager dans la police ou dans l'armée. Armée qui en ce moment même défend nos frontières contre les masses communistes qui tentent d'envahir notre bien-aimée mère patrie. Et une police qui se bat dans les townships afin que vos femmes, vos mères, vos filles et vos sœurs puissent dormir tranquilles chez elles dans leur lit sans se faire violer par ces enflures de kafirs pendant que vous autres vous prélassez dans une saloperie d'île paradisiaque. Alors, tout cela va changer. À partir de tout de suite. Pour la bonne raison que cette île est aujourd'hui mon île. Et une guerre impitoyable va être menée ici de la même manière qu'elle est menée contre la SWAPO à nos frontières, contre l'ANC et le PAC dans les townships. Votre ennemi est emprisonné derrière ces murs. Et vous tous, êtes en guerre contre ces hommes. Est-ce que c'est clair? Oui, mon colonel. Est-ce que c'est clair dans vos foutus crânes? Oui, mon colonel. Avancez, chers kafirs, avancez. Et au restaurant, nom de Dieu. Débrouille-toi. Venez ici, bande de sauvages, vous êtes aux portes de l'enfer. On est des combattants de la liberté, on n'est pas des sauvages. Merci, mon garçon. Qu'il saigne dehors cet animal pendant ma prison. Attachez-le aux mains. Comme ça, il se souviendra toute sa vie qu'un drapeau flotte sur ce pays. C'est la fouille au corps. Une bière, s'il te plaît. Ça roule, Denis? Pas mal. Alors, ça y est, on va avoir droit à la télé. 20 ans après le reste du monde. Tu fais ce que tu veux, Denis. Deux triples whisky, s'il te plaît, grand chef. C'est ce type. T'as un bout de chocolat pour moi, vieux? C'est fin.
Alors, il est comment Mandela? Il lui parle de quoi dans ses lettres à sa vieille pute noire de femme? J'aimerais siffler mon verre tranquille. S'il te plaît, Grégory, dis un peu, allez! Van Niekerk, tu veux savoir pourquoi les prisonniers t'ont surnommé Mboukane? Alors, je n'ose pas le kaffir. Comment je le saurais? Je t'explique alors. Ils appellent comme ça ces énormes mouches toutes vertes qui ne bouffent que de la merde. Ah ouais? Oui. Et dis-moi, c'est vrai ce qu'on raconte pour Gloria, ta femme? Quoi? Ben, que la nuit, tu l'as fait venir au bloc pour que les autres la t'aient. T'es sauvage et ils sachent une fois ce que c'est que brouter une blancette. Enfoiré d'ami de Kaffir. Allez, ça suffit. Ça suffit! Oh, James! James! Retourne auprès de Gloria, James. Sa veste. Qu'est-ce qui t'est arrivé, James? C'est rien. Je suis tombé de vélo. À cause de la pluie. J'ai cherché de la glace. Lynette organise une réception demain pour fêter l'arrivée de l'épouse de Colonel Sanders sur l'île. C'est très bien. Elle m'a pas invitée. Elle a peut-être pas eu le temps encore. À en croire, Anne. Lynette refuse de recevoir la femme d'un ami des Kaffirs. Et puis on les emmerde, tous ces gens. Ne sois pas grossier. Que veux-tu que je te dise? Pas grand-chose, James. Tout ce que je vois, c'est que les femmes d'officiers viennent plus faire coiffer. Je suis désolée, Gloria. Qu'est-ce qui t'a pris de laisser la situation pourrir à ce point? Si tu rencontrais Mandela, je crois que tu comprendrais. J'ai entendu parler d'une jolie petite prison. Près de East London. C'est Fort Glamorgan. On dit que c'est vraiment joli la côte Est. Tu veux que je demande mon transfert? Je voulais savoir ce que t'en pensais. Ce serait le rêve de quitter cette île. Le plus tôt sera mieux. C'est ce que j'espérais entendre. T'es persuadé que tu voudrais rester. Adieu, la sacrée place au soleil. Hein. Votre contact à l'intérieur. Il connaît l'objet de notre démarche. Je lui ai rien dit, la plupart du temps, je m'abstiens de l'informer. Vous croyez que Mandela va accepter? À mon humble avis, non. Alors que diable venons-nous faire ici? Simplement donner le change.
Voici M. Kruger, ministre des prisons. Comment trouvez-vous la vie sur cette île, Mandela ? Des cellules sales et humides, une nourriture infecte, bonne pour des animaux, des prisonniers traités pire que des criminels. Et vous venez demander ce que je pense de notre vie ici. J'ai une proposition à vous faire qui devrait tout changer. Laquelle ? Noir ou blanc, le droit de vote ? La garantie d'avoir des élections libres et équitables ? Si vous vous engagez, vous et les dirigeants de l'ANC, à renoncer aujourd'hui à toute forme de lutte armée, vous pourrez quitter cette île. Vous pourrez, vous et votre famille, vivre dans le Transkei. Alors, il est préférable que je reste ici, sur cette île. Alors, c'est que je m'étais trompé. Vous êtes encore plus bête que je croyais. Nous en avons fini, Major. Major, j'ai demandé mon transfert à Glamorgan, mais il était rejeté par quelqu'un à Pretoria. Oui, je l'ai rejeté. Pourquoi ? Y a-t-il un problème lié à votre poste ? L'école s'arrête en troisième ici, et je veux que mon fils soit inscrit au lycée. Mettez le gamin en pension et vous serez tranquille. J'ai été en pension, il est hors de question qu'un de mes enfants aille en pension un jour. Vous nous êtes très utile ici. Une crise grave secoue le pays et votre pays passe avant tout. Ma famille passe avant tout. Je représenterai une demande et si elle est encore rejetée, je démissionnerai. Vous ne ferez pas cette bêtise. Vous perdriez votre retraite. Je démissionnerai. Je vous le garantis. Personne ne voudra d'un ex-maton au chômage. Si vous partez, vous serez à la rue. Et votre famille, où est-ce qu'elle ira ? Tâchez d'y penser. Encore rejeté. On s'en sortira, James. On s'installera chez maman au départ. Je trouverai une place dans un salon, on se débrouillera. Il n'y a pas que notre avenir qui me préoccupe. Chaque fois que je branche la radio, c'est pour entendre qu'il y a encore eu un attentat à la voiture piégée. Des affrontements, un suspect a défenestré par la police. Et encore une bombe. Nos enfants grandissent ici et vivent au milieu de tout ça. Dieu nous protège. Mon colonel, ma lettre de démission, j'ai prévu 15 jours de préavis. Je l'accepte sans le moindre regret. Le contraire m'eût étonné. Mais Pretoria appréciera beaucoup moins. Je me fous de Pretoria. Grigori, vous n'oubliez rien ? Quoi ? Le salut dû à un officier. Vous avez raison, renvoyez-moi. Bonjour, Madame Grégory. Est-ce que James est là ? Juste un instant. Que venez-vous faire ici ? Pour être honnête, je croyais que vous bluffiez. Ah oui ? Je viens vous faire une offre, une sorte de compromis. Nous attendons chacun quelque chose de l'autre. Vous voulez vous en aller d'ici et je voudrais vous maintenir auprès de Mandela et de ses hommes. Vous les comprenez et vous parlez leur langue. Tout ça pour dire ?
Il serait tout à fait possible de faire passer le courrier par Roland Street avant de l'embarquer. Vous pourriez tout faire de là-bas, sans avoir à revenir une fois sur cette île. Et pour les visites ? Voslo s'arrangera. On habitera où ? Il se trouve que l'administration a une maison de fonction qui est aujourd'hui vacante à Plumstead, située tout près de chez votre mère, Madame Gregory. Vous avez tout prévu déjà. C'est maintenant ou jamais. Vous devez me donner votre réponse. C'est oui ou non ? Donnez-moi une minute. T'en dis quoi ? Je me dis que tu viens de remporter une bataille décisive pour notre famille. Gregory, je n'ai plus de vos nouvelles ces temps-ci. Il ne se passe rien de particulier. Comment ? Ils deviennent raisonnables, finalement, vous croyez ? Je vous offre une bière. Gloria m'attend, merci. Oh, mais si, allez, vite fait. Alors, il paraît que votre fils suit vos traces. C'est provisoire. Il attaque sa première année d'université, en cours par correspondance. Dès qu'il sera diplômé, il plaquera la prison vitesse grand V. Un fils de gardien à l'université. C'est à Mandela qu'il doit ça. Poussez vos enfants à aller à l'université, monsieur Gregory. L'Afrique du Sud a besoin de jeunes gens à la tête bien pleine. Ce sont eux demain qui gouverneront notre pays. Comment il va ? Il demande tout le temps après vous. Oh, bien sûr, il vieillit bien un peu, mais bon, comme nous tous, je dirais. Pensez quoi de cette campagne libérée, Mandela ? C'est le cadet de nos soucis. Le plus gros problème vient des sanctions internationales. Ça paralyse notre économie. Ouais, tout va mal le jour où le pétrole coûte plus cher que la bière. Vous croyez qu'on devrait le libérer ? Vous rêvez. Avec Botha au pouvoir, ça arrivera jamais. Oui, vous avez sûrement raison. Bon, merci pour la bière. Ça m'a fait plaisir. Un de ces jours, Major. Oui, on peut avoir confiance en Gregory, je crois. Vous êtes prêt ? Oui. Alors, cette journée. Routine. Et toi ? Brent, tu ferais mieux d'étudier au lieu de contrôler cette voiture. Tu vois, quand je disais que c'était les bougies, pas. Il y en a des neuves dans le garage. Pas de téléphone pour toi. J'arrive. Allô ? Ce soir ? Oui, c'est très important. Soyez-là à 22:06. Entendu, brigadier. Je viendrai. Ça sent bien le curry ? Oui, poulet au curry. Et le contrôle, ça a été comment ? Pas mal. Pas mal ou bien ? Bien.
Tu veux un gin tonic? Ouais, léger s'il te plaît. Va te laver les mains avant de manger. Les autorités pensent que les terroristes de l'ANC sont à l'origine de cette explosion. Selon un communiqué officiel, il n'y aurait aucune victime. Et les dégâts causés au bâtiment seraient superficiels. Et maintenant, la météo de demain. C'était le brigadier Morkel. Je dois être à Paulsmore pour 8 heures ce soir. Pourquoi? Il n'a rien dit. C'est Mandela? Je crois pas. Pas à Paulsmore. Bonsoir. À gauche au premier croisement. Grégory, suivez-moi. Bonsoir, James. Désolé pour le caractère urgent de cette convocation. Je vous présente le général Forster. Général Forster des services de renseignement, anciennement connu sous le nom de Bureau de la Sécurité d'État. Les choses ont le don de changer terriblement vite dans ce pays. On en perd son latin, n'est-ce pas? En quoi suis-je concerné? Demain, vous prendrez votre nouveau poste ici. Vous aurez à charge de veiller sur Mandela et 4 de ses co-détenus. Vous travaillerez avec le brigadier Morkel, directement sous mes ordres. Oui. Ils viennent de passer le point de contrôle. Nous assouplissons les restrictions concernant les visites, le courrier, le temps d'étude, les journaux, bref, le tout. Monsieur, j'ai un logement à Plumstead. Ma femme travaille là-bas, ma fille est en train de passer son bac. Ne vous faites aucun souci pour ça, James. Nous avons largement de quoi vous loger, vous et votre famille. Tout est prévu. Pourquoi moi? Vous êtes bien le seul gardien de Robben Island contre lequel ils n'ont jamais porté plainte. Ce qui n'a rien d'admirable en soi, à mon sens. Allez de ce côté. L'idée est tout bonne, Nelson. Coupez à pas, monsieur Grégory. Dépose-moi. Sécurité maximum. Toi, tu ne dors pas? Non, je regarde la télé. Quoi de neuf? Je te fais un thé. Justement, c'est la question que j'aurais te poser. Sauf si tu préfères un café. James! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Portsmore? Oh, tu vas pas me croire. Si tu me racontes, ça peut aider. Ils transfèrent Mandela et 4 autres détenus chez nous. Je veux un thé, pas de café. Après 18 ans sur ce maudit caillou. Et pourquoi ils t'ont fait venir? Ils veulent me transférer. Oh, y en a assez. Tu passeras plus de temps en voiture qu'au travail. Je dois être présent 24 heures sur 24 à la prison. Je supervise la détention de Mandela. Brett me suit, on aura notre unité et c'est moi qui commande. Tu crois que t'as le droit de prendre ce genre de décision sans m'en parler avant? Il me laisse pas le choix. Qui il? Le général Forster. Service des renseignements. Tu penses à Natacha? Elle fera comment? Elle ira en train.
Dans le train, elle peut réviser ses cours. Ça lui laisse tout le temps. Pourquoi il en est de là-bas? Parce qu'ils sont inquiets. Tu vois un peu le tableau? S'il meurt sur cette île, ce sera un véritable bain de sang. Ça peut aussi arriver à Portsmouth. J'en sais rien. Peut-être bien qu'ils sont décidés à négocier. Sois pas si naïf. On ne négocie pas avec des terroristes. Quoi? Tu crois qu'on a le choix? De tous les côtés, ça part en flammes. Encore une bombe à Coburg hier. Un de ces jours, ce sera le Parlement. Ils colleront des bombes dans les écoles, puis dans les gares. Eh bah tiens, et c'est toi qui voudrais que Natasha y soit tout le jour dans le train. T'as pitié, James. Écoute-moi. Les 5 ans que je viens de passer sont peut-être les plus monotones qu'il me sera jamais donné de vivre. Chaque jour, quand j'arrive à Roland Street, j'ouvre un paquet de lettres que je lis doucement. Quand c'est fait, je les replie, je les remets dans l'enveloppe, puis je les renvoie. Il est temps que ça s'arrête. Il va se passer des choses hors du commun. Je ne veux pas me reprocher un jour d'avoir raté le coche juste pour rester dans le rang. C'est une part de l'histoire de ce pays. Et je veux contribuer à l'écrire. J'espère qu'au moins on aura une maison avec jardin. Merci, Gloria. Chris, où ça mène? En fait, ça relie les sections E et D. On sécurise, vous condamnez l'accès. D'accord, je donne les ordres. Pourquoi cet homme est seul? Dorénavant, on travaille par deux. Deux gardes à chaque poste. Entendu. Messieurs, bonjour. Monsieur Gregory, nous attendons encore un début d'explication. Ce ne sont que des rumeurs. Rumeurs? Quel genre de rumeurs? Vous auriez un peu trop d'influence sur les autres prisonniers de l'île. Voici mon fils, Brent. Il travaille avec moi. Tout est en ordre? Oui, mon adjudant. Chris. Cette montagne est à quelle distance? 3-4 kilomètres à peu près. Propriété de l'État ou privé? De l'État, je pense sûrement les parcs nationaux. Vérifiez. Ça va, Raymond? Pourquoi toutes ces affaires dehors? C'est pour le garde-meuble. Tu comptes travailler comment sans table? Je vais te dire, j'ai laissé le panneau d'or une semaine et j'ai pas eu un seul client. On se fait coiffer en centre commercial. Et puis de toute façon, ici c'est trop petit. Regarde ça, on peut plus bouger. C'est au moins un toit au-dessus de nos têtes. Toi, c'est beaucoup dire. On entend tout. Même le voisin de palier s'envoyait en l'air. Où est Natasha? Ça la fatigue de passer tant d'heures chaque jour dans le train. Elle va s'installer chez maman et viendra nous voir les week-ends. Aide-moi pour la télé. Je veux la mettre dans l'angle. Attention à ton dos. Brent a vu Mandela pour la première fois ce matin. Et alors?
Il dit qu'il a eu l'impression de rencontrer un vieil oncle. Pour mettre fin aux violentes manifestations et aux émeutes provoquées par les partisans d'une, je cite, libération inconditionnelle de Nelson Mandela. Le porte-parole de la police sud-africaine a déclaré : nous avons procédé à de nombreuses arrestations et à l'heure où je vous parle, nous contrôlons la situation. Sois gentil, Coops. Pour vos plants de tomates. Merci, monsieur Grégory. Et comment va Brent? Très bien, monsieur Mandela. Tant mieux. Tokula n'est pas né, monsieur Grégory. Zipou Selek, Nadoulin Konyan. Oh. Utata Ninkunzi, Apako. Papa, tu fais quoi? Non, t'approche pas, reste derrière. Vous semblez avoir appris plus que notre langue, monsieur Grégory. Où t'as appris à faire ça, papa? Faudra mettre un peu de glace là-dessus. C'est pas juste. Les trois quarts étaient des civils. Des pauvres gens qui passaient là par hasard. C'est ça, vas-y, regarde un peu. Regarde bien. Sur ma foi. Dites-moi, une bonne idée. En 1976, la fois où la police s'est mise à tirer sur des écoliers à Soweto, combien sont morts ce jour-là? Il y en a eu des centaines, des milliers, sans parler des blessés. Et aujourd'hui, vous venez ici pleurer sur 17 personnes? Il n'a déjà allé au main. Ah, et soudain, ma. Une seconde. Vous me connaissiez déjà à cette époque-là. Est-ce que je me suis réjoui de la mort de ces enfants avec mes collègues de Robben Island, hein? J'étais révolté de voir ça. Révolté. Mais ça aussi, c'est injuste. Vous pouvez l'empêcher. Vous pouvez arrêter la violence. Comment? Dites à vos amis à Lusaka d'arrêter ce type d'action. Monsieur Grégory. Vous croyez en toute honnêteté que si on rend les armes sur le champ, les Blancs et leur régime cesseront tout acte de violence contre mes semblables? C'est un cercle vicieux. Cela fait 20 ans que j'attends que votre peuple vienne à moi pour parler de paix. Mais la paix ne les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Autant que vous. Quand ceux qui ont le pouvoir volent votre liberté,
Le seul chemin vers la liberté reste le pouvoir. Tu peux mettre la télé, papa ? Potin va faire un discours. Où est ta mère ? Elle est allée en ville. Elle avait rendez-vous dans un salon qui vient d'ouvrir au Cap. Elle veut plus attendre assise qu'on vienne la chercher. Voilà ce qu'elle dit. Elle a raison. Pour les gens qui font pression sur l'Afrique du Sud, hors de nos frontières comme de l'intérieur, j'ai affirmé devant le Parlement que si M. Mandela nous fait la promesse de ne pas se rendre coupable de planification. Il nous en raconte des conneries, ce type-là. Exécution d'actes de violence dans le but de servir ses objectifs politiques, je serais personnellement disposé à envisager sa libération. Le choix lui appartient. Tout ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est d'accepter sa condition de renoncer à la violence comme instrument politique. Ce qui, après tout, est la norme en vigueur dans tous les pays civilisés du monde. Partant du principe que l'Afrique du Sud est civilisée. Tenez, James. Ça vient de... Non, restez assis. Ça vient d'arriver de Pretoria. Vous savez, je pense que c'est peut-être plus un geste symbolique. Ce n'est pas nécessaire. Où allons-nous, monsieur Grégory ? Vous allez voir votre famille dans la pièce où vous recevez votre avocat. Qu'est-ce que cela veut dire ? Plus de vitres entre vous et vos visiteurs. Je vais même pouvoir les toucher. Monsieur Grégory, je n'ai pas touché ma femme depuis 21 ans. Tout se passera bien, Nelson.
toute organisation au sein d'un peuple est prohibée. Quelle sorte de liberté peut m'être offerte quand je peux être arrêtée pour défaut de laisser passer? Quelle sorte de liberté peut m'être offerte de vivre ma vie de famille quand ma chère épouse est bannie et obligée de demeurer à Brentford? Quelle sorte de liberté peut m'être offerte quand je dois demander la permission de vivre? Mais oui, c'est pas l'idée que tu te faisais d'une terroriste. Seul un homme libre peut négocier. Les prisonniers ne peuvent pas entamer de négociations. Mon père dit : je ne peux et ne veux donner aucune garantie tant que vous, le peuple et moi, ne serons pas libres. Votre liberté et la mienne sont indissociables. Je reviendrai. Amanda ! Adjudant Grégory, je m'appelle Grunewald. J'aimerais intégrer votre unité de surveillance de Mandela. Je prendrai le temps d'étudier votre dossier. Ma femme a un neveu qui a eu les deux jambes broyées à cause d'une bombe. Et je voudrais bien pouvoir un jour lui retourner sa gentillesse à Mandela. Vous plaisantez? Non, mon adjudant. Ce n'est pas une plaisanterie. Je vous prie de le croire. Gloria! James! Oh, James! Où tu t'es passé? On a dû séparer Mandela des autres. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Un homme a téléphoné. Il a dit qu'ils allaient tuer Brent et Natasha. Il a dit qu'on était des amis des Gaffiers et qu'on allait tous mourir. Chut, chut. Est-ce que tu as reconnu sa voix? Tu le connais? Non, il a dit que j'étais qu'une pute de merde et que j'allais mourir. Oh. Chut, ça va là. Arrête, ça va pas. Attends, il veut tuer nos enfants, James. Il n'arrivera rien à personne, ni à toi, ni à notre famille, d'accord? Le brigadier Morkel, vite. Écoutez-moi. Quelqu'un a appelé Gloria, l'a menacée de la tuer, elle et les enfants. Je veux que ma famille soit protégée jour et nuit, sinon je démissionne. Major, monsieur, vous voulez quelque chose? Grégory menace encore de démissionner. Ce qu'il demande, accordez-le-lui, qu'on ne le braque pas. Quelle ironie. On va garder le gardien qui garde Mandela. Nous avons d'autres priorités. Tous les dirigeants de ce monde exigent de voir Mandela relâché. On subit des pressions de toutes parts, sans arrêt. Allons-nous plier? Non. Nous ne laisserons jamais les Noirs prendre le pouvoir. Malgré ça, imaginez qu'une balle d'extrême droite l'atteigne. Sa mort mettrait toute l'Afrique du Sud à feu et à sang. Mais je dois lui donner l'impression que nous négocions et qu'il peut s'adresser à son peuple. On peut peut-être le déplacer, lui offrir un habitat plus confortable pour faire un geste. Où ça? La ferme prison du côté de Parl, Victor Werster. Il y a des montagnes, des vignes. Et il y a une maison individuelle, à l'écart, isolée et sûre. Thank you.
Monsieur Mandela vous attend. Monsieur Maharaj est végétarien, alors on va peut-être éviter de lui mettre du rôti. Je sais, pour lui, il y a de la quiche. Et éviter le vin avec Monsieur Ayob, il est musulman. On donne un chat, c'est pire qu'aux Nations Unies, ici. Le message venant de Monsieur Botta est simple. C'est pouvoir partagé, ou rien du tout. Il ne sera envisagé aucun accord, d'aucune sorte, tant que nous n'aurons pas la garantie de participer à des élections libres et équitables. Désolé de vous interrompre. Quel langue il est, monsieur Grégory? Bonne journée, messieurs. Ce pays est plein de surprises. James, c'est magnifique. Je te l'avais bien dit. Regarde les montagnes. Venez, je vous fais visiter. Ma fille en pense quoi? Que c'est super. Tu prends les valises, Brent? Attends. Quoi? James! Il y a un lave-vaisselle, un lave-linge, un sèche-linge, la totale. Les enfants ont chacun leur chambre avec un bureau dans chacune. Et il y a aussi la télé dans notre chambre à nous. Non. Tu me crois pas? Va voir si tu veux. Et tu as ma parole. On y est et on ne bouge pas d'ici, sauf si toi tu le veux. Gloria, Gloria. Ça te fait pas plaisir? C'est un nouveau départ, une nouvelle vie. Ça me fait plaisir, tellement plaisir. Merci. Ah, dites tous les deux, vous êtes forcés de faire ça devant nous? On a quoi? Bonheur? T'as pas froid? Non, ça va. J'ai oublié mon paquet de cigarettes. Continuez, je vous rattrape dans une minute, ok? Pourquoi vous me suivez? Pitié, ne tirez pas! Qui êtes-vous? Je suis un agent des renseignements. Voyez dans la poche. Pourquoi? Mes ordres sont de veiller sur vous et votre famille en dehors de la prison. Dites à Jordan qu'il envoie au moins un professionnel. Natacha, c'est moi. Papa est là? Non, il est sorti. Et toi alors, ton examen? Ah, nickel. Grâce à monsieur Mandela. Tout ce qu'il y a eu sur le droit commercial, il me l'avait soufflé. Il est magique. Tu préviens maman, ok? Oui, oui, je lui dis. Bren, tu fais gaffe sur la route. Tu me connais. Tu peux être tranquille. Allez, à plus tard. Oh, quelle heure est-il? Plus de 10 heures. Je me suis assoupi. Est-ce que je peins? S'il vous plaît. Votre famille se plaît-elle?
dans son nouveau logement? Oui, beaucoup. Je viens d'entendre à la télévision que le président Botha a eu un léger malaise cardiaque. Vous savez à quel hôpital ils l'ont conduit? Je peux le savoir. Je voudrais lui envoyer une corbeille de fruits, avec un mot. Vous croyez qu'il en ferait autant? La question n'est pas là. Je dirai à Brent de se renseigner. Ce grand garçon va bien? Il vient de passer son dernier examen. En ce moment même, il doit être sur le chemin du retour. Je parie qu'il a brillamment réussi. Bonne nuit, Monsieur Grégory. Bonne nuit à vous, Madiba. Cette maison est trop grande pour une seule personne. Il y manque une famille, des rires d'enfants. Je viens de vous le dire, oui, c'est moi. Votre fils est mort. Écoutez, je déteste ce genre de plaisanterie. Votre fils conduit bien une Ford et rend très bien du cap en fin de journée. Oui. Alors il est mort. Il a eu un accident de voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Brent s'est tué. Quoi? Il a eu un accident. Quoi? À cause de tout ce que j'ai fait, Gloria. À cause de Temby, Mandela, Oscar, Gidi, Jonas, Motsadi, Tilisa, Manier, j'ai envoyé à la mort tous ces gens et aujourd'hui Dieu me le fait payer. Non, James, non. Je regrette tout ça. Tu n'as rien à te reprocher. Si, c'est à cause de moi qu'ils sont morts. Pardonnez-moi, je vous en prie, pardonnez-moi. On ne pouvait pas savoir, James. On ne pouvait pas savoir. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu n'as rien à te reprocher. Rien à te reprocher. J'ai été profondément affecté d'apprendre le décès tragique de votre fils bien-aimé Brent. Recevez de ma part et de celle de toute ma famille l'expression de nos plus sincères condoléances. Les blessures invisibles sont les plus douloureuses, mais j'espère que vous-même et votre famille serait réconforté de savoir que Brent était aimé et respecté par la plupart de ceux qui ont eu la chance de l'approcher. Encore une fois, nos plus sincères condoléances.
James, tu as de la visite. James? Le général Forster a tenté de vous joindre à maintes reprises pour vous présenter ses condoléances, mais vous ne répondez pas au téléphone. Je le dis comme je le pense, si vous ne reprenez pas le travail, vous allez sombrer. Résultat de ces derniers examens. Des bonnes notes en tout. Trois mentions très bien. Le premier membre de nos deux familles à être universitaire. Mais la vie continue. Et il le faut. Vous savez que Botha a démissionné. Celui qui le remplace, de Clerc. C'est un autre bonhomme. Pas moi. Depuis le temps que je l'entends ce refrain, ça va changer et ça vient jamais. Il est différent. Il sait écouter. Il tient à voir Mandela, lui parler face à face. Et pour cela, on va avoir besoin de vous pour organiser la rencontre. Je me souviens la fois où tu m'as dit que tu ne voulais pas rester dans un rang. Que tu voulais contribuer à écrire l'histoire. On va devoir se montrer fort, James. Pour tous les deux. Pour Natacha. Et ce que l'avenir nous réserve encore dans ce foutu pays. Heureux de vous revoir, mon adjudant. Je viens de faire du thé, si vous en voulez. Ça ira, merci. Venez, mon ami. Allons marcher un peu dans le jardin. Le temps guérit les blessures du corps, mais il ne peut guérir celles qu'on ne peut pas voir. Il m'arrive parfois encore de penser à Tembi. Et pour tout dire, je crois qu'au fond, je n'ai jamais cessé de penser à lui. Madiba. Qu'y a-t-il, monsieur Grégory? Je leur ai signalé à l'époque que Tembi venait de s'acheter une voiture. Je l'ai su. Parce que Winnie vous l'a dit. Croyez-vous sincèrement que la sécurité n'était pas déjà au courant bien avant vous? D'autres ont été nommés, de nombreuses personnes que j'ai... Monsieur Grégory, nous avons tous notre travail à faire dans cette vie. Vous ne devez pas laisser le remords ou l'amertume assombrir votre chemin. Venez. Je vais vous remettre quelque chose pour Gloria de ma part. Ça lui vient de sa mère. Il dit que l'hiver est proche. Que tu dois avoir bien chaud. Je trouve ça très gentil de sa part. C'est quand même fou de penser que toutes ces années, j'ai jamais posé les yeux sur cet homme. Je ne sais même pas de quoi il a l'air. Joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël.
Qu'est-ce que ça peut être? Tiens, ouvre celui-là. Joyeux Noël, Gloria. Pas de déprime, tous les deux. Pas aujourd'hui. On boit quoi, papa? La Nouvelle Afrique du Sud. À la Nouvelle Afrique du Sud. De quoi j'ai l'air? Visite au président avec autour du cou une cravate qui ressemble à une coule. Je tiens à préciser qu'il y a plus de 20 ans que je n'ai pas mis ça. Fort élégant, Monsieur Mandela. Merci. Par ici, je vous prie. Le président vous attend. Attendez ici, Chris. Pourquoi ne suis-je pas surpris de vous voir, Major? Alors, c'est fini. J'aurais pu vous le dire il y a longtemps. Dimanche, il sera libéré. Jusqu'au moment de franchir les portes de Victor Werster, vous restez seul responsable de sa sécurité. Vous avez fait du bon travail. Je vous félicite. Dites-moi la vérité. La mort de Tembi, c'était un meurtre? Alors ça, même moi je n'en sais rien. Mettez-vous à l'aise dans la pièce à côté. Monsieur Mandela ne sera pas long. L'adjudant Grégory est là? Il aide Monsieur Mandela à faire ses valises. On observe des signes évidents d'agitation. Au-dessus des plus grands arbres, des hélicoptères, un grand nombre d'hélicoptères survolent la prison Victor Werster. La foule est impatiente. Bonjour, brigadier. Que me vaut le plaisir? Je vous apporte votre ordre officiel de relax. Signé ici. Se dresse sur la pointe des pieds, s'accroche au câble, essayant de trouver le meilleur endroit où ils verront Nelson Mandela pour la première fois. Monsieur Mandela, je vous remets un double de ce formulaire pour le cas où, lors d'un contrôle, on vous accuserait d'évasion. Adjudant Grégory, vos galons, retirez-les. Pardon? Vos galons, vous les enlevez. Félicitations, lieutenant Grégory. Je vous remercie. Je crois qu'à présent, je dois vous montrer du respect.
C'est un peu tard pour ça, Maliba. Qu'est-ce que ça fait? Quoi? Après 27 ans de prison, de vous retrouver libre. Il me faudra un peu de temps pour réaliser. Je vous crois. Je voulais vous offrir quelque chose, mais je savais pas quoi. Il y a longtemps, un ami me l'a offert. Celui qui m'a appris à manier le bâton mieux que vous. Est-ce un défi que vous me lancez, Monsieur Grégory? Parce que si c'est le cas, nous allons devoir sortir. Non. Non. Il m'a protégé pendant des années. J'espère qu'il vous protégera. Merci, Monsieur Grégory. Prison Victor Werster, où l'excitation est à son comble. Les hélicoptères survolent le secteur, les premières voitures apparaissent, et... Monsieur Nelson Mandela devrait d'une seconde à l'autre apparaître. Et nous allons vivre le moment que le monde entier a tant attendu. Monsieur Mandela, avec un grand M. Un homme qui est resté emprisonné pendant presque 30 ans. Il va apparaître en public pour la première fois d'un instant à l'autre. Voici Monsieur Mandela, Monsieur Nelson Mandela, un homme libre effectuant ses premiers pas sur le sol d'une nouvelle Afrique du Sud. Ils sont main dans la main. Nous connaîtrons la paix et la fraternité que tous ceux qui aiment leur peuple et leur pays disent à leur tour, comme nous ici. Il faut nous battre tous ensemble, côte à côte, pour nos droits, tout au long de notre vie, jusqu'à nous retrouver libres. Voici l'homme que le monde entier attendait. Il marche d'un pas décidé vers la liberté. Au revoir,